bien et que vous ayez plus chaud que moi, parce que franchement je suis gelée. Je pense que je vais allumer un peu le chauffage. Ouais, on est vraiment pas gâtés en ce moment. Franchement, on a vraiment pas l'impression d'être au mois de mai. Bref, hein, on fait avec. Donc aujourd'hui on est lundi. On est lundi 6. Oui, c'est ça. Lundi 6 mai et il est quelle heure? Il est 10h déjà. J'ai fait mon sport, j'étais conduire Stacy, commencé à 8h, toutes mes routines sont faites, j'ai plus que mes sols et mon linge comme d'habitude à faire, et puis ma routine. Mais bon, j'ai déjà commencé puisque c'était entrée, toilette et buanderie. Donc j'ai déjà commencé un petit peu en faisant ma routine. Bon, quoi de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui comme tous les lundis c'est course, ça devrait être plus cool que la semaine dernière puisque j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien du tout, il y a que Chérie qui a foot avec Stacy. Logiquement, et Angel, je sais plus, oui il y a Angel aussi, mais c'était sinon, c'est que Angel, à chaque fois je confonds, en même temps il y a pratiquement tous les jours du foot, donc du coup, voilà, bref, donc c'est Angel qui a foot ce soir à 19h15, il est fini, voilà, sûrement il rentrera pas avant 21h comme d'habitude. Alors au menu, aujourd'hui, on mange quoi? Alors ce midi, pour chérir les enfants, c'est un sandwich au crabe. Kimberly et Angel ne rentrent pas manger, ils avaient qu'une heure, donc ils mangent au lycée. Avec un yaourt comme dessert. Et ce soir, c'est des œufs dans une patate avec de la salade composée et le reste de tarte d'hier qui était très bonne, soi-disant passant. Voilà. Donc là, je vais me mettre à travailler un petit peu sur la chaîne. Je vais ranger mon yaourt parce que vous avez vu un petit déjeuner salé ce matin. Mais j'avais prévu un yaourt et des fruits, j'ai mangé mes fruits mais là j'ai plus faim. Donc je vais ranger mon yaourt, je le mangerai tout à l'heure s'il faut. Peut-être en dessert. Je vais me faire une petite infusion pour me réchauffer parce que je viens de boire un café mais j'ai froid. Donc je vais allumer le chauffage, me prendre une infusion et me mettre à travailler sur le PC avant de finir mes routines. Et tout ce que j'ai à faire. Qu'est-ce qu'il y a Luna? Alors Luna, elle a plein de jouets. Mais elle joue. Je vais vous montrer avec quoi elle joue. Et en fait, quand elle miaule comme ça, c'est parce que il est coincé ou qu'elle ne le trouve pas. Ah. Hein? Alors voilà, avec quoi elle joue. Voilà. Alors c'est un ruban de cagoule ou je sais pas trop quoi. Et en fait elle le prend dans sa gueule. Elle le monte. Hein, et la nuit ben, elle nous embête. Hmm, parce qu'il y a des moments où elle le coince en le montant. Elle le coince dans les barreaux des escaliers ou des choses comme ça. Et du coup voilà. Et quand elle miaule comme ça, ben, c'est que voilà, elle veut jouer ou qu'elle le trouve pas. Ou Donc là je pense que cette nuit, parce que cette nuit elle a pas arrêté du coup, parce qu'elle le montait et elle miaule parce qu'il est coincé. Et du coup je pense que cette nuit je vais lui cacher avant de monter. Voilà. Comme ça, si elle le voit pas, j'espère que elle m'embêtera pas avec. Oh là là. Mais le pire c'est qu'elle en a plein des jouets. Elle a des fausses souris là, elle a des balles, elle a plein de trucs. Mais non, c'est avec ce machin qu'Angel lui a filé une fois qu'elle joue tout le temps. Un vrai gosse. Voilà, comme les enfants, vous voyez, on leur achète des jouets à je sais pas combien et ils jouent avec une boîte de carton. Et ben là, le chat, c'est pareil. Hein, on achète plein de jouets et elle joue avec un bout de ficelle. Mais en fait, ce qu'elle aime bien, c'est qu'on tient le bout et qu'on le bouge comme ça. Mais la nuit, nous, on dort. On n'a pas forcément envie de jouer avec elle. Mais elle, elle le monte pour qu'on joue avec. Et elle miaule. Hein? Hein? Ouais, ouais. C'est de toi que je parle. Allez! Je vais aller allumer le chauffage parce que j'ai froid comme je vous ai dit et je vais me mettre à bosser un petit peu. Bon, il est midi 12 et je suis encore complètement frigorifiée. Alors, je suis super frileuse, hein, donc du coup moi si j'ai pas un bon 25, j'ai froid. Stacy ne devrait plus tarder à arriver, je suis en train de me préparer à manger, donc je suis en train de me faire un morceau de saumon. Juste poché, je vais faire un petit paquet de légumes... voilà, vapeur, je vais mettre ça au micro-ondes et je suis en train de me faire cuire du millet, donc ça sera mon repas de ce midi. Du coup, pour pas beaucoup de points, juste pour les 3 points de millet, puisque le saumon et les légumes c'est zéro, je le fais exprès d'avoir un repas avec que 3 points pour équilibrer sur ma journée, parce qu'en fait ce soir je compte bien manger un morceau de gâteau.
à 5 points. Donc du coup, en plus du repas et tout, souvent ça fait un gros repas souvent le soir, et je me réserve aussi quelques petits points pour mon carré de chocolat. Voilà, donc je fais souvent exprès de manger un petit peu moins. Enfin, vous avez dû le remarquer, hein, souvent le soir c'est mon repas principal avec que je partage avec les enfants et tout, et chéri. Donc du coup, il est souvent un peu plus riche, entre guillemets, hein, en points. Donc j'essaie d'équilibrer sur ma journée en prenant un tout petit peu moins de points le midi. Surtout qu'en plus le midi, comme là, j'ai mangé, il était 10h. Donc ça fait que 2h30 que j'ai mangé, donc souvent j'ai pas très faim. Donc je prends un peu de points pour le midi, je garde un petit peu de points. Et encore, souvent à 4h, c'est des choses sans points que je mange, parce que c'est souvent un yaourt ou une compote, ou les deux quand j'ai faim, avec un fruit. Ou il y a deux mois, je rajoute les petites gourmandises là, comme j'achète, ou des galettes de riz avec un fromage ou un truc comme ça. Enfin voilà, ça dépend de ma faim. Mais souvent mon gros repas c'est le soir, en fait. Logiquement, ce qu'on devrait pas faire, hein, puisque logiquement on devrait manger plutôt léger le soir, et pas le... et voilà, faire l'inverse avec le midi. Mais voilà, ça ne correspond pas à notre mode de vie familiale, on va dire. Notre vrai repas où on mange tous ensemble, c'est le soir. Donc du coup voilà, et après ça m'empêche pas de perdre du poids, hein, ça... Je pense qu'une fois que c'est équilibré sur la journée, ça passe. Bref, donc voilà, je vais finir ça, mon infusion. Et tout à l'heure je vous disais que ça allait être un lundi cool, que ça allait pas être la course parce que j'avais pas de rendez-vous. Et en remplissant mon calendrier, mon agenda de cette semaine, je me suis rendu compte que si, qu'on avait un rendez-vous aujourd'hui, qu'on avait un rendez-vous pour nos jambes, pour les varices, voilà, chez le flébologue, je pense que c'est ça, ouais, que ça se dit. En fait c'est une visite de contrôle, donc c'est un rendez-vous qu'on a pris il y a 6 mois, que j'avais noté sur mon calendrier. Enfin, j'avais demandé à Alexa de le noter. Donc du coup, ce matin, pour regarder tous les rendez-vous que j'avais, ben, je me suis dit, ah, j'avais zappé. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'après manger, ben, je vais aller me changer, parce que j'ai mis un truc court, et que quand je vais là-bas, ben, il faut se mettre en culotte, hein, pour faire montrer nos jolies jambes. Mais voilà, j'aime pas faire montrer ma culotte. Donc du coup je vais mettre un truc un peu long, vous voyez, pour être à l'aise. Et en plus je vais vérifier aussi la culotte que j'ai mise, parce que si ça tombe, voilà, j'ai mis une culotte qui est pas très adéquate. Que voilà, je suis sûre qu'on est tous comme ça, hein, qu'on a les culottes pour aller chez le médecin, bien couvrantes, et les culottes pour tous les jours, voilà. Et je vais aller du coup... je viens de prendre ma douche, mais je me suis pas rasée. Mais je vais aller vérifier, mais logiquement je l'ai fait il y a pas longtemps. Parce que en fait, quand il vous pique le flébologue là où il y a des varices, il vous met après des gros pansements, vous voyez, qui collent bien là. Et quand vous êtes pas rasé, vous avez un petit peu de poils, et ben quand vous les enlevez, aïe 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 ça fait mal, voilà. Et chéri peut en témoigner, il y a des endroits où il n'y a plus de poils, le pauvre. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'est pas très très poilu, hein. Mais là, ah, voilà Stécie, je vais aller lui ouvrir. Et puis je vous montre mon assiette du coup. Ah, ça y est, la miss est rentrée, c'était Stécie. Alors elle est en train de me parler de leur cours d'SVT d'aujourd'hui, de sciences. Alors c'est un sujet chez les ados qui leur donne à chaque fois le sourire, hein. Ils parlent de la puberté et de trucs comme ça, du cycle de la vie, voilà. Donc du coup elle dit, dans ma classe maman c'est des vrais bébés, et je suppose que c'est les garçons surtout. Ouais. Bah ouais. Bah oui, hein. Ça fait partie de la vie, hein, ils doivent apprendre, mais bon. Bon allez, tu as mangé chérie? Oui. Moi je vais attendre que ça finisse de cuire. Et je vais manger aussi. Et puis je vais aller me changer et faire ce que je vous ai dit. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, mon assiette elle est prête. En fait j'ai pas fait cuire le mix, il me restait des légumes d'hier. Donc du coup j'ai fait réchauffer les légumes que j'avais fait, c'est pas hier, c'est avant-hier je pense. Oui, c'est un mélange de légumes que j'avais fait avec les
frites de samedi. Voilà. Donc le millet, le mélange donc de légumes. Et puis donc c'est pareil, c'était des légumes que j'avais fait cuire à la vapeur. Il y avait du brocoli, des carottes, des champignons, courgettes, des petits pois. Voilà. Et puis mon morceau de saumon. Et là je vais rajouter juste pour le goût, parce que là c'est vapeur hein. Donc je vais rajouter un petit peu de sauce sriracha sur le dessus. Alors c'est une sauce au piment, donc ça relève bien. Et c'est une sauce qui est à zéro. Ben, en fait il faudrait en mettre vraiment beaucoup pour avoir un point. Donc moi je... faut juste que c'est juste pour relever quoi en fait. Donc j'en mets pas beaucoup. Voilà, on va manger tout à l'heure. Donc oui, pour l'assiette, comme je vous ai dit, c'est juste le millet. Donc c'est 3 points pour 100 grammes. Cuit. Bon, ça y est, chéri est rentré. Il a pris son sandwich, il va manger dans la voiture pendant que je commence les courses, parce que comme je vous ai dit, ça va être la course encore une fois aujourd'hui. On a rendez-vous à 16h chez le flébologue, hein, c'est bien ça, je dis pas de bêtises quand on dit, je dis ça. Le dévoreur. Ouais, voilà. Donc du coup, je vais commencer les courses, il va manger son sandwich, il me rejoindra après. On va à Lidl en Belgique, et puis si pour le primeur et tout, si on a le temps, on ira en revenant, autrement on ira demain. Je pense que c'est ouvert demain. C'est juste le lundi matin que c'est fermé. Il faudrait que je vérifie. Mais je pense que c'est ça. Parce que là, c'est la dèche en fruits et légumes. Depuis que je fais Weight Watcher, et même les enfants, en fait, hein, on mange beaucoup plus de fruits et légumes. Et du coup, ben, à chaque fois en fin de semaine, il n'y a plus rien. Comme là, Stacy a pris la dernière pomme en dessert. Et moi, j'ai pris la dernière poire. Il reste... les fruits de la passion qu'on n'a pas mangé, et puis un petit kiwi et deux oranges. Il n'y a plus rien. Voilà. Bon allez, on va aller faire ses courses. Et à mon avis, ça va être tout à l'heure en rentrant que je vous filmerai le retour de course. On fera sûrement comme la semaine dernière, du coup. On mettra tout au frigo et au congélateur ce qu'il va offrir, et puis on ressortira tout. Voilà. Moi qui pensais ce matin que ça soit pas la course. Ben non, loupé. Allez, à tout à l'heure. Et on est déjà là. Même Stacy m'a dit, ben vous êtes déjà là? Il est 15h. Même un peu plus, un peu moins que 15h. Il doit être moins 5 ou moins 10. On a été vite. Quand on part vite, on revient vite. Donc du coup, ma chérie va pouvoir se changer, changer ses chaussettes et tout. Hein? Voilà. Tu vas pouvoir te changer, changer tes chaussettes. Et puis, puis on va pouvoir y aller. Là, je vais faire un petit peu de tri. Et on va aller se faire faire des petites piqûres. On aime. Je suis joie d'y aller. Bon, c'est pour un bien, hein, mais voilà, j'aime pas trop y aller. J'aime pas les piqûres, donc du coup, je prends sur moi. Parce que je sais que c'est pour mon bien. Mais si je pourrais éviter d'y aller, ça m'arrangerait. Surtout qu'en plus à chaque fois il trouve quand même quelque chose à dire et enfin à faire, voilà. Même s'il n'y a plus de varus ou quoi, il y a demain c'est les petites varioles là. Vous voyez les petits vaisseaux qui sont éclatés, qui me fait, enfin des choses comme ça. Même si j'ai plus rien, mais bon. Allez, je vais me prendre un café je pense, et puis je vais faire le tri des courses. Bon, il est 18h, on vient d'entrer. On a été se faire piquer du coup nos jambes. On a voulu passer au primeur, mais il y avait un monde jusqu'à l'extérieur. Donc du coup on a fait demi-tour. On s'est dit qu'on y retournera cette semaine. On est juste été chercher 2-3 trucs qui nous manquaient. Comme je vous avais dit, j'avais plus du tout de fruits et de légumes. Donc pour tenir jusqu'à demain ou mercredi. Bah, peut-être pas mercredi. Bah non, mercredi, c'est vrai que c'est pas férié en Belgique. Donc du coup il sera ouvert, puisque le primeur qu'on va est en Belgique. Bon, alors nos jambes ça va, il m'a juste piqué là où j'ai des petites petites varioles là, comme je vous ai dit. Mais du coup ça me fait, je trouve que ça fait encore plus mal que quand il piquait les varices, parce que là c'est vraiment superficiel. Donc il met l'aiguille voilà, et on sent le produit qui brûle, voilà. Mais bon, allez, on a rendez-vous du coup à la fin de l'année maintenant, mois de novembre. Bon, je vais vous finir du coup le retour de course. Et puis après, ben, je vais attaquer le repas et le montage. Chérie doit aller au foot, puisque Angel a foot à 19h15. Allez, go! On finit le retour de course. On finit le retour de course. Bon, ça y est, j'ai fini. J'ai rangé. Le retour de course est filmé. Il faut encore le monter. Mais là, je vais commencer à faire à manger.
Ce soir, c'est des pommes, enfin des œufs dans une patate. Donc en fait, c'est une pomme de terre que je vais faire cuire au four. Je vais l'ouvrir, la creuser un tout petit peu, casser un œuf, mettre un peu de crème. Enfin, vous voyez, un peu comme un œuf cocotte en fait, mais cuit dans une pomme de terre. Et je vais faire, en fait, en faisant les courses en Belgique, ils font des trucs à des moments à 20 centimes pour éviter le gaspillage alimentaire. Et là, en fait, c'était des asperges et je les ai payées 20 centimes pour... Il y a combien de grammes dedans? Là, je le vois pas. 400 grammes. Donc, ça me revient vraiment pas cher le kilo. Franchement, donc, du coup, j'en ai pris deux. Enfin, voilà, j'aurais été idiote de le laisser dans le rayon à ce prix-là. Et là, je viens de les ouvrir. Elles sont encore nickel. Donc, en fait, c'est des asperges déjà pelées. Donc, il n'y a vraiment plus qu'elles sont fraîches. Mais il n'y a plus qu'à les faire cuire, quoi, en fait. Donc, du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais les faire cuire. Comme il me fallait un accompagnement pour ce soir, et ben, c'est nickel. Voilà. Donc ça va être asperges, enfin, je vais faire quelques crudités, logiquement c'était salade composée, donc je vais faire voilà, quelques petites crudités pour aller avec. Non, je prépare mes légumes et puis après je vais monter le retour de course. Ouais. Je suis à mon spot du lundi soir avec la vidéo qui est en train de se monter et je suis en train de commencer, j'écoute et je fais à manger en même temps. En fait, quand Angel n'avait pas foot ce soir, ça a été remis, donc du coup ma chérie est là et Angel aussi. Alors, pour le repas, donc du coup, les pommes de terre, là, elles sont cuites. Donc, c'est des pommes de terre que j'ai fait cuire au four, hein, lambda. Je prends un petit morceau d'alu et je fais une couronne pour les caler. Parce qu'en fait, dans le trou, là, que j'ai fait, on va mettre un œuf. On va se servir de la pomme de terre comme pour faire un œuf cocotte, en fait. Donc, du coup, la pomme de terre, je coupe un chapeau. C'est chaud. Et j'évite l'intérieur. Alors vous voyez pas? Voilà. Et je vais éviter l'intérieur avec une cuillère parisienne. Alors je vais pas jeter hein, la farce, enfin la pomme de terre cuite. Je vais en faire comme une petite purée. Je vais leur servir avec. Alors ce que j'ai fait moi, pour pouvoir compter les points, j'ai pris une petite pomme de terre et je l'ai creusée jusqu'à ce qu'il me reste que 100 g de pomme de terre. Comme ça moi j'ai mes 100 g pour moi ce soir. Et c'est plus facile pour moi compter. Comme ça, je sais que 100 g de pommes de terre, ben, c'est 2 points. Hop. Donc, j'évite bien parce qu'il faut que l'œuf tient entièrement à l'intérieur. Et ensuite, à l'intérieur, on va saler, poivrer, mettre un peu de crème, du fromage et l'œuf. Comme un œuf cocotte, mais dans une patate. Hop. Et en fait, l'alu, c'est pour caler, pour éviter que tout se coule tout autour. Donc je vais mettre du sel, du poivre comme je vous ai dit, hop, pour assaisonner la pomme de terre. Alors dans ce style de pomme de terre, il faut manger la peau, donc lavez bien la patate pour pouvoir, enfin la pomme de terre, pour pouvoir la manger. Voilà. Donc là j'ai salé, poivré, on va mettre une petite cuillère à café de crème 15% dans chaque pomme de terre. Alors ça, du coup, une cuillère à café, c'est 0 point, donc ça compte pas non plus. Allez, hop, une. Donc ensuite, on va mettre un peu de fromage. Donc c'est de l'emmental râpé dans chaque pomme de terre. Alors moi, je me suis compté à part un petit peu de fromage, mais à mon avis, je vais pas tout mettre parce que tout rentrera pas dans la pomme de terre. Donc il y a 10 grammes, mais... à mon avis, il y aura moins de 10 grammes. Hop là. Parce que là, maintenant, on va mettre l'œuf. Hop. Qui est ici. Hop, c'est des œufs de chez mes parents. Donc, c'est pas la bonne boîte. Alors, j'espère qu'ils vont rentrer parce qu'ils sont gros. Pourquoi vous ne vous étirez pas? Hop là. Nickel. Donc ensuite, on remet un petit peu de fromage sur le dessus. Hop. Et je vais mettre aussi un petit peu d'oignon nouveau dessus. Du vert, voilà, du vert d'oignon. Oh.
Et voilà, et on renfourne pour 10-15 minutes, c'est juste le temps de faire cuire l'œuf. Et on voudrait que, dans l'idéal, ça serait que le jaune, il reste encore un petit peu coulant. Donc là, avec le reste de farce, je suis en train d'improviser vite fait des croquettes de pommes de terre pour chérie et les enfants. Pour, comme ça, ça évite de jeter. Et puis bon, ils l'auraient mangé, hein, mais ça change un petit peu. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste écrasé la pomme de terre, du coup. Avec, j'ai mis exactement les mêmes ingrédients, à peu près pratiquement que dans les œufs cocottes. J'ai remis des oignons nouveaux, du sel, du poivre, une belle cuillère à café de crème et un œuf. Et là, du coup, ben, j'utilise une cuillère à glace pour prélever, hop, de la pomme de terre. Je fais un petit palais. Donc j'ai mis du fromage, du sel, du poivre et puis un œuf, oui. Voilà. Quantité, je ne peux pas vous dire parce que j'ai fait au pif. Oups. Et je le roule dans la chapelure. Et après, ben, ça va partir au four pour les faire un tout petit peu gratiner. J'ai su faire cette croquette et elles vont aller rejoindre du coup les pommes de terre dans le four. Les œufs sont cuits, les croquettes il faut encore attendre un petit peu, donc je les mettrai après sur la table, je vous montrerai ce que ça donne une fois quand elles sont un petit peu dorées. Donc voilà ce que ça donne du coup, moi, les pommes de terre, voilà, avec l'œuf à l'intérieur. Alors en accompagnement, j'ai fait salade de tomates, des carottes râpées et les asperges que j'ai achetées tout à l'heure du coup, et j'ai juste mis un œuf, faire style œuf mimosa sur le dessus, un œuf râpé, et on va manger ça du coup avec de la vinaigrette pour chérie. Et moi je vais me faire une vinaigrette, enfin pour chérie et les enfants, moi ça va être une vinaigrette à base de yaourt. Donc je mélange des yaourts comme d'habitude avec un peu de vinaigre, du lait, du sel, du poivre et des herbes. Voilà, ça fait une vinaigrette sans matière grasse du coup. Alors du coup pour le repas, bah là pour moi, il y a, que je dis pas de bêtises, je vais prendre mon téléphone. Non. Ce que vous entendez, c'est ma machine à laver parce qu'il y a Stacy. Justement, j'en parlais avec une d'entre vous, c'est aujourd'hui, en commentaire, qui a oublié de me dire que demain elle avait sport et ses affaires, elles étaient au sale. Donc du coup voilà, on est en train de laver sa tenue de sport parce que j'avais fait de batte de clair et que son jogging c'est du foncé. Voilà, et elle s'en rend compte à 7h du soir. Voilà. Hein? Quand je vous dis qu'on a tous les mêmes à la maison. Donc du coup, au niveau du menu, ça fait énormément de bruit, hein, je suis désolée. Hein. Donc au niveau du menu, c'est 2 points pour mes pommes de terre. Et puis, ben, 0 pour la crème fraîche parce que j'ai mis qu'une cuillère à café. Et en fait, le fromage, je vais compter 1 point, mais il n'y a même pas 1 point, quoi, en fait. Donc du coup, ça fait 3 points pour mon repas. Mais je vais prendre un morceau de gâteau après la tarte qu'on a fait hier, la tarte framboise chocolat blanc, qui fait 5 points. Donc ça va me faire un repas à 8 du coup. Allez, on va manger avant que mon œuf il devienne tout dur. Bon, je vous montre les petites croquettes de pommes de terre du coup, ce que ça donne. Alors c'est vraiment de l'impro. Ouh, c'est chaud. Total, hein. Voilà. Donc c'est vraiment avec les restes de pommes de terre, mais après c'est vrai que ça pourrait être sympa, une recette peut-être future. Et ça du coup c'est mon assiette pour moi, donc ma pomme de terre avec les asperges, les tomates et les carottes, avec la petite sauce comme je vous ai dit à base de yaourt. Ça y est, 20h48 et on a fini. Je suis en train de mettre le retour de course en ligne, j'ai répondu aux quelques commentaires qu'il y avait. Donc là je vais clôturer, je vais monter le vlog d'aujourd'hui et aller prendre ma douche et aller me coucher. Demain matin, Stacy commence à 10h. En fait, cette semaine, elle a pas mal de profs absents. Là, elle commence à 10h demain. Mercredi, ils n'ont pas cours. Et jeudi, elle commence à 10h aussi. Ouais, épidémie. Mais bon, là, je pense que les professeurs vont commencer à être occupés avec la préparation des examens et tout. Donc, je pense que, voilà. La fin de l'année, je sais qu'on a eu un programme pour les jours où le collège va être fermé et tout, parce qu'il y a les centres d'examen. Donc en fait, du coup, il faut préparer les salles. Et puis je sais que les derniers jours, la proviseure a choisi de fermer l'établissement.
Vous voyez, au mois de juillet, là, les quelques jours qui restent. Donc, il y a quelques jours qui vont rester ouverts, les 2-3 premiers jours. Et les derniers, en fait, elle va fermer l'établissement et elle va mettre des journées, ce qu'ils appellent des journées pédagogiques, je pense. De toute façon, comme elle dit, il n'y a jamais personne, il n'y a pas d'élèves. Et du coup, on bloque les classes et les professeurs pour quelques élèves, alors qu'eux, ils peuvent utiliser ce temps-là pour préparer la rentrée pour l'année prochaine. Donc du coup c'est ce qu'ils vont faire. Et dans un sens c'est vrai que c'est mieux parce qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent un tout petit peu obligés d'aller les mettre jusqu'au bout, alors qu'ils les garderaient bien chez eux, hein. Mais voilà, il y a des parents qui les laissent aller jusqu'au bout en pensant qu'ils risquent d'avoir des représailles ou des choses comme ça, alors que les derniers jours ils font strictement rien quoi, en fait, hein, c'est garderie, hein. Bref, donc du coup on verra ça, mais cette semaine voilà, c'est plutôt cool. Oh là là, je suis en train de regarder si je dois sortir pour demain. Mais non, ça attendra demain du coup. Parce qu'il y a juste les saucisses, parce que demain c'est la fameuse bolognaise de lentilles. Et il y a juste les saucisses pour les chéris et les enfants. Enfin, pas pour Kim parce qu'elle n'en mangera pas non plus sûrement. Mais bon, ça je peux les sortir demain matin. Faut que j'envoie, j'appelle Angel aussi pour qu'il fait son sandwich. Parce qu'il n'y a que lui qui mange un sandwich demain, donc je lui ai dit... Du coup, c'est toi qui fais. Allez. On y va. On va aller prendre sa douche. Enfin, on va d'abord monter le vlog. Mon avis, va pas être très long parce que j'ai pas l'impression d'avoir filmé beaucoup. Mais bon, avec on a encore eu une journée qui devait être cool. Et en fait, compte, non. Avec ce rendez-vous que j'avais oublié. En plus, un rendez-vous un petit peu douloureux quand même. Alors là, j'ai des pansements de partout. Quand je vais enlever mon pantalon, je vais voir... À chaque fois j'ai des beaux gros placards après. En plus je marque super vite. Enfin moi il faut pas grand chose pour que j'ai un bleu. Donc à chaque fois j'ai des beaux gros bleus. Comme là j'ai encore des bleus sur des piqûres qui m'avaient fait. Enfin des veines un peu bleues. Des piqûres qui m'avaient fait il y a 6 mois quoi en fait. Donc comme quoi qu'en plus ça a du mal à partir. Ça va s'estomper hein, mais voilà c'est encore un peu bleu. Enfin c'est marron quoi en fait. Voilà on voit que c'est le vieux bleu mais... Ben, mais ça date quand même 6 mois. Faut le faire quand même, hein. Mais bon, je pense que c'est la veine qui a un petit peu séché. Mais moi, je m'en fous un peu parce que c'est au niveau du haut de la jambe, donc il n'y a personne qui le voit. Et là, oui, c'est sur les côtés et tout, c'est vraiment, vraiment mal. C'est le produit en fait. Bon, c'est juste quelques heures. Hein. Après, ça fait vraiment mal. C'est pas non plus super douloureux, hein. C'est juste gênant. Oh là là. Allez, on y va. Donc, je vais vous souhaiter une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit. Et je vous dis du coup à demain. Pour une journée qui, j'espère, sera plus cool. Mais logiquement, pas de rendez-vous. J'ai rien oublié.